Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une skincare routine. Donc une skincare routine, c'est une routine de soins. Je vais vous présenter ce que je fais sur ma peau. En fait je voulais pas faire plus tôt puisque de base je mettais juste de la crème, enfin ou alors je me démaquais, mais rien d'extraordinaire. Mais en fait depuis Halloween je me suis fait un maquillage, je sais pas si vous avez vu, mais avec du latex, du faisant, tout ça. Et après, une semaine après, j'ai commencé à avoir des boutons, tout ça. Parce que moi, de base, j'avais pas énormément de boutons, tout ça. Mais j'ai commencé à en avoir un par-ci, par-là, par-là. Je me suis dit, bon, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose à ma peau. Du coup, je vais vous présenter ce que je fais. Et voilà, après, je suis pas une experte dermato, je sais pas quoi. Je sais pas si c'est bien ce que je fais ou pas. Donc après, moi, je vous présente ce que je fais. Et à vous de voir si vous aimez ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la vidéo, bisous. Donc tout d'abord, il me faut une solution micellaire. C'est vraiment super important pour moi d'avoir ma solution micellaire. Alors avant j'utilisais la Bioderma, que j'aime beaucoup, désolée mes doigts ils sont tout sales. Et en ce moment j'utilise la Garnier Skin Naturelle parce que je trouve qu'elle est... Elle est exactement pareille que la Bioderma, en fait il n'y a rien qui change. Elle est vraiment super bien cette eau micellaire et en plus elle coûte beaucoup moins cher, donc c'est ce qui est cool ça. La Bioderma je crois qu'elle coûte 15€ ou quoi, alors que celle-là 3€ et quelques. Donc moi il faut savoir que je me démaquille avant de me remaquiller tout le temps. Le matin avant de me maquiller je me démaquille, je m'applique de la crème tout ça, mais enfin la nuit le visage il crée des saletés tout ça. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais au moins là vous le savez. Du coup c'est super important de se démaquiller avant. Il y en a qui, quand je fais des routines, ils me disent mais Manon, mais pourquoi tu te démaquilles avant de te remaquiller, c'est con. Mais non, pas du tout en fait. Enfin, peut-être que pour vous c'est con, mais pour moi non en fait. C'est vraiment super important, donc je me démaquille avant de me maquiller. Et le soir je me démaquille, ben, normalement parce que j'aime pas dormir avec du maquillage quoi. Donc de base je me démaquille. Ensuite après je vais dans la douche et je me nettoie le visage avec ceci. Donc c'est le Visibly Clair Gel Nettoyant Pamplemousse Rose de Neutrogena. C'est pour réduire les boutons et les points noirs. Donc c'est depuis que Halloween que j'utilise ça parce que j'ai pas envie d'avoir des boutons. Et donc je le nettoie avec une éponge Conjac. Donc ça ce que je vous montre c'est que une fois par semaine. Donc d'abord exfolie ma peau avec un nettoyant quotidien. Skin Stress Control, donc c'est aide à réduire les boutons avant même qu'ils soient visibles pour en faire une source de stress en moins. Donc c'est de la marque Neutrogena encore, j'aime bien les Neutrogena. Et en gros c'est un exfoliant donc avec des petits grains. Je le laisse, après je nettoie directement, en fait je le laisse pas poser, je rince abondamment. Et ensuite je fais le masque de Sephora, donc c'est au zinc et au copper. Je l'ai bien creusé, je sais pas, il m'en reste pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez à peu près, mais je l'aime beaucoup. Il y a aussi des petits grains et il est vraiment bien en fait. On voit direct une différence après et il coûte pas très cher non plus, il me semble. Je sais plus du tout, je l'ai depuis presque un an ce masque, c'est un truc de malade. Donc de la marque Académie Scientifique, donc elle est vraiment bien. Et en fait je l'ai en petit exemplaire parce que avant j'étais abonnée à Glossybox et du coup je recevais des miniatures. Et du coup j'avais reçu celle-ci et depuis je l'utilise parce que je la trouve vraiment bien. Je crois qu'elle coûte vraiment assez cher quand même par contre. Enfin voilà. C'est tout pour ma routine en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais au moins vous voyez les produits que j'utilise au quotidien. Ou une fois par semaine pour le masque et l'exfoliant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.